Nous avons un problème, capitaine. Qu'est-ce qu'il y a encore, Amiral Zor, de si urgent pour que vous me dérangez pendant que je lis mon extra lingerie galactique, bon sang? Il y a un court-circuit qui vient d'endommager le vaisseau. La toiture a pris feu complètement. Ouf. Qu'on arrive. Mais je me demande pourquoi t'as coupé autant d'arbres tout à l'heure, en fait. Tu m'écoutes? Et si je t'emmerde, tu le sais, hein? Mais putain de merde, c'est quoi ce bordel? C'est bon, capitaine, vous la tenez. Mais vous pensez que c'était le bon endroit pour placer une sonde? Parce que ça me paraît un petit peu étroit, là, vous pensez pas? Tenez-la, Azor, bon sang, il est temps de récupérer son ADN avec cette sonde. Lâchez-la immédiatement. Fais-moi le malin là, hein, mon coco! Oh putain, t'es dégoûtant, t'aurais pu au moins attendre que je tourne la tête! Oh! Pendant ce temps, alors que Timmy était sorti quelques instants se soulager, il avait trouvé toute sa tribu assassinée et mangée par des animaux sauvages à son retour. Cependant, il avait réussi à échapper à une mort certaine à son tour. Je vais pouvoir boire un petit peu d'eau, moi. Wow, dis donc. T'as passé toute la nuit à sortir et rentrer les trucs de son cul, tu veux pas arrêter maintenant? Je pense qu'il a compris la leçon, là. Ah, merci. Et j'avoue, à force, ça commençait un tout petit peu à piquer. Excusez-moi, vous pouvez traduire ce qu'il a dit, parce que je capte absolument rien à son langage de Cro-Magnon. Quoi exactement? Avec mon capitaine, nous avons eu un souci avec notre vaisseau. C'est pourquoi nous nous sommes écrasés après avoir parcouru plusieurs... Ce qui veut dire, c'est qu'on s'en branle, alors tu abrèges. C'est bon, ça va, pas la peine de s'énerver. On voulait juste récupérer un petit échantillon d'ADN pour notre collection privée. Mon gars, j'ai pas toute la journée, la gamine n'a pas que ça à foutre que de traduire, alors je vais t'aider un petit peu, allez c'est parti. Non mais, hey, vas-y, qui c'est que tu touches là, comme ça, là, arrête-toi. Et plus sérieusement, on demande avant de mettre un objet dans le cul des gens, alors ton ADN de merde et toi, vous repartez fissa, et tu fermes la porte en sortant, s'il te plaît. C'est ça, dégage. Oh, je vais enfin pouvoir fumer ma pipe et profiter tranquillement de ma maison. Et du coup, maintenant que t'as la parole, je trouve que t'as l'air vachement moins con. Toi, on t'a pas sonné, alors rends-toi utile et allume donc le feu plutôt. Oh, le voyage va et tout, on sent Capitaine Rooka. Et puis avec toutes ces conneries, j'ai failli jouir, moi, faudra peut-être que je retente l'expérience.